Montréal sur Flair, Rosalie, est-ce que tu es prête? Oui! Ton restaurant préféré? Le Serpent. C'est définitivement les meilleures pâtes que j'ai mangées de toute ma vie. Le resto qui n'est pas nécessairement bon, mais que tu aimes quand même aller? Le Green Spot. Où est-ce que tu vas pour un bon snack à 3h du matin? J'ai toujours tout chez nous pour faire une soupe tonkinoise. Ton quartier préféré? Je pense que c'est Saint-Henri. C'est là que je suis née, que j'ai grandi. C'est vraiment mon préf. Il y a tout dans Saint-Henri, sincèrement. Les restos, ça finit plus. Marche à droite. Ton meilleur spot de date à Montréal? Moi, j'aime ça faire des affaires comme genre aller jouer au mini pot de fluo. Là. Ah, ben c'est cool! Ton meilleur resto de pizza? Des pizzas, le Fiorellino. J'ai des cravings, je pogne mon char, je m'en vais m'en chercher une. Là. C'est incroyable. C'est quoi ton cocktail préféré et où est-ce qu'on peut le boire? Sincèrement, il faut vraiment un bon gin tonic au huis clos. Où est-ce qu'on mange la meilleure poutine à Montréal? Je vais y aller avec le Green Spot aussi. Ils ont une sauce brune vraiment, vraiment, vraiment foncée, mais elle est vraiment incroyable. C'est qui ton chum ou ta chum de brosse? Les Andado, Barrette. Ta terrasse préférée? Cet été, j'ai découvert le Air Terrace. C'est en haut de l'hôtel Renaissance. C'est quelque chose. Montréal passe au feu, tu dois sauver une seule chose. C'est quoi? Si, bon, une seule chose! Idéalement, je garderais mon chum, là. J'aimerais ça qui reste en vie. Un endroit qui est overrated à Montréal, selon toi? Les clubs. C'est plate, les clubs. Un endroit qui est underrated? La Rive-Sud. La Rive-Sud, c'est vraiment underrated, OK? Ça tout le monde hate. Mais comme sincèrement, il y a tellement de belles affaires sur la Rive-Sud, tellement de bons restos, tellement des gens le fun, tellement d'activités. Sortez de l'île!